gonna leave this place behind. No matter what they say. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de notre incroyable aventure sur Madventure. Voilà, et on se retrouve au même endroit où nous nous sommes quittés. Eh bien il y a il y a de ça le dernier épisode tout simplement. On continue, enfin on commence surtout notre exploration. On a là-bas une épave qu'on va devoir aller fouiller. Mais avant toute chose, j'aimerais vous préciser qu'on est passé sur la dernière snapshot. Ah oui, c'est écrit en haut à gauche, je suis con. La 23W04A, donc c'est une toute nouvelle snapshot qui vient tout juste de sortir. Comment je vais faire pour aller avec l'épave sans mon cheval? Ça va être absolument terrible. Attendez, je vais me crafter un petit bateau. On est bien d'accord que le cheval, c'est génial. Mais le cheval ne peut pas monter dans mon bateau, on est bien d'accord. Attendez, on sait jamais avec les nouveautés. On sait jamais. Eh. Ah non, ça n'a pas l'air de... Bon, c'est pas grave. Cheval, reste ici, je te retrouverai. Alors je rappelle aussi qu'on a un objectif. Bien sûr c'est de trouver une jungle pour trouver des bambous, très important. Et puis éventuellement un petit désert. Ce qui est génial aussi les amis pour la snapshot, la nouvelle sur laquelle on est, les gars, c'est qu'on va pouvoir générer des nouveaux chunks. C'était vraiment pas fait exprès, pas calculé. Mais maintenant il y a des nouveautés. On va pouvoir décorer nos armures avec justement des ornements, ça s'appelle. Des ornements, donc c'est des nouveaux items qui vont apparaître dans les coffres, justement. Normalement ça se crafte pas, et donc on pourra trouver ça dans les coffres. Alors, on le trouvera pas dans le coffre là qu'on va fouiller de cette épave, puisqu'on a généré le chunk sur l'ancienne snapshot. Bref, est-ce que vous comprenez ce que je raconte là? J'ai l'impression que je dis des trucs bizarres. Bref, en gros voilà, il y a toujours des nouveautés à chaque fois qu'on met les snapshots, et c'est que du plaisir. Alors, où est le coffre? Où est... Là, il est là. Non, il est pas là. Il est où le coffre? Parce qu'on rigole, on rigole. Ah, mais il est dans le sable, le bordel. Comment on va faire? Bref, les amis, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. Vraiment un plaisir de vous avoir lu. Je me suis pété des barres avec vos commentaires, justement. Bon, déjà, j'ai foiré mon montage à un moment donné. Et puis voilà, les vaches, je les ai absolument torturées. Bon, et vous savez quoi? Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Je vais rechercher mon cheval, qui, j'espère, va bien. Oui, il est là-bas, c'est bon, il est là-bas. On va aller le chercher, on va continuer sur la terre, c'est pas grave. Donc voilà, est-ce que la machine à vaches fonctionne? Je pense que oui, mais on verra ça de toute façon que quand on rentrera à la maison. Et dès maintenant, je vais vous mettre l'extrait, parce que j'avais oublié de le faire dans la dernière vidéo. Hein, je vais vous mettre l'extrait maintenant de ma toute première mort. C'était donc il y a quelques jours de cela. Les amis, régalez-vous, c'est maintenant, c'est pour vous. Non, ça sert à rien d'aller là. Ah! Ah! Oh non. Oh non. Ouais, elles vont super vite en plus. Mais... Oh non. Je sais pas quoi faire. Non. Je sais pas quoi faire. C'est quoi cette... Voilà, c'était ma mort. Si j'ai oublié de mettre au montage, bah encore une fois j'aurais l'air un petit peu débile. Mais normalement je n'ai pas oublié. Donc voilà un petit peu comment s'est passée ma première mort. Ça s'était passé en live. Vous avez vu ma tête de beau gosse. Voilà, j'étais un petit peu dans le caca. Mais voilà, j'ai pu retrouver mon stuff. J'ai pu me refaire quand même pas mal d'XP. Regardez, je suis niveau 24 mine de rien. Alors j'avais perdu 30 niveaux mais quand même. Oh, regardez ce qu'on a là, un glacier. Oh, un biome neige. Alors c'est pas exactement ce que je souhaitais tout de suite. Mais on a un biome neige à proximité de notre base. Ce qui est plutôt sympa parce qu'il y a quand même des structures aussi dans les biomes neige, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que je dis des bêtises, mais c'est toujours sympa, on va y aller. Encore une fois, le but du jeu c'est d'éviter de trop générer des chunks, justement parce que eh ben, ce serait dommage de se gâcher les prochaines nouveautés. Mais là on peut en profiter puisque voilà, cette nouvelle snapshot, je le répète pour être sûr d'avoir vraiment bien, de m'être bien exprimé. Mais cette nouvelle snapshot, il y a des nouveaux coffres avec justement des ornements pour décorer eh bien pour décorer voilà nos armures. Alors il y a une tour de pillager là-bas, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ça. Est-ce qu'on va y aller pour voir? Ça peut être sympa, hein, de toute façon on va y aller. Il y a des coffres en plus dans les tours de pillagers. Alors le seul problème c'est que je vais m'attirer les ennuis, mais après on est des touristes. Hein. Septième épisode, c'est vrai, on n'a pas encore croisé de pilleurs. Là du coup ça va être l'occasion d'en croiser. Peut-être. Est-ce qu'on y va? Bien sûr on va y aller. De toute façon on va pas faire du patinage artistique là-dedans. Hein. Par contre mon cheval ça m'ennuie parce que il va pas pouvoir me suivre toute l'aventure et c'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Alors après remarque c'est pas si grave. Mais ah ça fait quand même un peu mal au cœur. Attendez si je peux quand même passer. Je,
peux quand même passer avec le cheval là justement sur la glace, c'est parfait, ça va. Allez, ça va un petit peu te refroidir les papates. Mais bon, voilà, pas non plus déconner. Tac, on va passer par là, voilà. Il faut souffrir hein, des fois dans la vie, c'est comme ça qu'on grandit. Est-ce qu'il irait plus vite en sautant, non? Ah, on dirait un peu qu'il va plus vite, pas du tout. Pas du tout. Bon, on va aller voir la tour de piégeuse en espérant que ce soit des nouveaux chunks qui étaient générés, même si je pense pas. Mais si on pouvait tomber sur un coffre justement avec les nouveautés, ce serait grave. Ce serait tarping stylé. Et en plus, on va pouvoir faire un petit somme avant d'y aller. Bon, écoute, cheval, je vais te laisser ici. D'accord? Tu as intérêt à survivre. Sinon, je t'éclate. Oula, c'est un petit peu une menace pas très catholique, mais enfin. Voilà, je te mets une petite torche. D'accord? On va passer la nuit ensemble quand même. Si ça te va, on va passer la nuit ensemble, regarde. Oh, c'est beau, le petit coucher de soleil. Allez, viens, on fait un petit screen. Hop, voilà. Oh, c'est mignon. Et maintenant, on dort. On dort et on est parti pour de nouvelles aventures. Voilà, ça va partir en cacahuète, moi, je vous le dis. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, mon ami. Mais c'est un peu dommage parce que j'aimerais vraiment trouver une jungle. Hein. Dans tous les cas, on va pas rentrer à la base tant qu'on n'a pas trouvé de jungle. Hein. Enfin, tant qu'on n'a pas trouvé de bambou, littéralement. Hein. Il me faut du bambou. Mais non, mais le cheval, il pouvait passer par là, en plus, je suis con. Ah bah non, j'ai traversé de l'eau. Bref, voilà, il nous faut absolument du bambou. Sinon on pourra pas amener à bien nos prochaines péripéties, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est très important qu'on trouve une jungle. Et c'est absolument terrible. Alors, j'ai pas besoin des cisailles. J'ai déjà vu des piégeuses. Voilà, il y en a un qui est ici. C'est vrai que j'ai pas d'arc, il y en a un qui est là. Il y en a un qui est là. C'est vrai que en fait je suis pas en bonne posture hein, pour faire un peu de combat. Mais c'est pas. En plus me semble-t-il que ça respawn vraiment à l'infini. Ah oui, il m'attaque direct. Il m'attaque direct. Ok. Bah, viens voir. Légitime défense. Tire-moi dessus. Vas-y, tire-moi dessus. Voilà. Et là, je suis légitime à t'éclater la face. C'est comme ça que ça se passe en France. On est obligé d'attendre de se faire tirer dessus avant de tirer sur les autres. Voilà. Heureusement que... Bonsoir. On a dit qu'on faisait pas de politique sur Madventure. Hop là. Ça dégage. Oh, bah alors, tu t'es pris une flèche de où, là, mon ref? Alors ils sont deux, mais après ça va respawn je crois. Hein. Allez, 1, 2, ramasse ta queue. Voilà, voilà, vous êtes bons quand même. Ils sont bons. Ah ils sont bons. Ok. Moi aussi je suis bon. Hein. Ok. Maintenant je peux y aller peut-être. Je peux y aller. Je peux y aller. Je fonce. Il y a pas de coffre. Je sais plus comment ça se passe moi en fait. Bonjour. Ah si, il y a des coffres. Bah voilà. Et bah voilà, Smithing Template, c'est les ornements dont je vous parlais. Donc voilà, c'est ça ce qui est cool. Oh, on a généré des nouveaux chunks avec ces snapshots. Oh, je suis tellement content de faire cette aventure parce que à chaque fois qu'on fait un épisode, il y a des nouveautés réellement quoi. Oh, c'est fou, ça je pense ça fait plaisir. Des petites patates, tiens, eh, vous m'en aviez parlé en commentaire. Bon, je m'en fous un peu mais, eh, c'est quoi ça? Alors ça je sais pas si c'est nouveau. Ça je sais pas si c'est nouveau, Got Horn, est-ce que ça s'utilise? C'est trop stylé, j'aurais peut-être pas dû le faire mais c'est génial. Par contre ça voilà, ça va nous permettre de créer donc sur les armures, de faire des décorations. C'est génial. C'est génial, est-ce qu'il y a des coffres en bas ou pas? Je crois pas, c'est quoi ça? C'est quoi? Attends, de toute façon on va descendre mais... Ah oui t'as vu ça respawn. Ah oui, oh là, attendez les gars, je rigole. Attendez, hop, ça dégage. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah ok, c'est des esprits absolument démoniaques. Bon allez, je me casse. Je me casse, alors par contre on va voir un problème. Non c'est bon, parce que le problème c'est que normalement j'ai ah non, j'ai pas mauvais présage sur moi, parce que j'ai pas tué le leader. Je sais pas quoi, parce que si tu tues le leader de ces gens là, et eh ben tu as mauvais présage, un effet en fait, et du coup si tu vas dans le village, et eh ben tu auras un raid. Et remarque, c'est pas plus mal pour avoir justement les échanges moins chers au village. Non mais on croirait que tout est calculé les gars. On dirait limite que je cheat, que j'installe tout au préalable pour que le scénario soit parfait. Mais c'est réel, le scénario est parfait. Et si je fais ça, il se passe quoi? Mais oui! Mais oui! Mais ça va attirer les... Si je fais ça, ça va attirer les mecs. On est d'accord? Donc si je fais ça dans le village là-bas, quand on sera à la maison de nouveau... Oh, je suis un génie bordel. Si on fait ça quand on est dans notre village, on aura un raid. Et donc du coup... Non c'est incroyable. Carrément c'est incroyable. Ok, on va garder ça bien au chaud. Je récupère mon bed. Je récupère ma torche aussi.
Je récupère mon cheval. Oh, je suis heureux, les gars. Bon, on n'a pas encore de bambou. Alors, dans quelle direction on va aller? Le problème, c'est que là-bas, il y a de la neige. Mais je me dis, avec un peu de chance. Non, ça, c'est des sapins. Clairement, c'est pas des. C'est pas du bois de jungle. Hop, je récupère quand même la canne à sucre. Hein. Ah, c'est cool. Ah, je suis vraiment content. Alors, ça se trouve, ça ne sert pas à ça, hein, la cornebuse. Hein. Mais pour moi, ça sert à ça. En tout cas, dites-moi en commentaire. Encore une fois, vous savez, c'est la technique du référencement, mais c'est réel. Hein. Et franchement, ça me fait trop kiffer vos commentaires. Je sais pas ce qui se passe. Les 7 premiers épisodes, là, c'est le plus beau lancement de série de ma chaîne. Je vous le dis, parce que, tu vois, des fois, je lance des séries, ça fait des 1000, 2000 vues, tu vois. Et là, c'est pas le cas. Mais... Ah oui, en effet, c'est pas une bonne idée d'appeler à la cornemuse, oui. Ok, génial. Bon, on va rentrer vers la base pour prendre une autre direction. Mais bref... Là, il n'y a peut-être pas autant de vues, mais il y a tellement d'engouement dans les commentaires, même en message privé sur Instagram, les gars. Je vous embrasse, tous ceux qui m'écrivent des MP et tout, ça fait trop plaisir. Sur Discord aussi. Enfin bon, voilà. Et moi, je suis comme un... Je suis gay comme un pinson, clairement. C'est que du kiff, c'est que du bonheur. On est tous contents. Et bah voilà, c'est juste génial. Voilà, c'est juste génial. Ni plus ni moins. Ouais, on va aller par là-bas. Je pense que ça peut être pas mal. On va faire une sorte de boucle. Il faut absolument une jungle. Encore le désert, je m'en fiche total. On a déjà récupéré ça. Alors que vraiment à la base c'était pas forcément prioritaire. Mais c'est génial. On a découvert ce nouveau truc. Mais maintenant vraiment j'aimerais une jungle. Ah bah tu vois, je disais pas besoin de désert. Mais là je crois que... Mais non mais même pas, c'est même pas un désert. Bon, on va essayer de traverser D'ailleurs c'est pas Yakari, hein, c'est Petit Tonnerre, je me suis trompé. Alors personne ne l'a relevé en commentaire, vous êtes des boss. Mais Yakari c'est le petit enfant. Et Petit Tonnerre, c'est son cheval. Donc c'est moi, Yakari, c'est lui, Petit Tonnerre. Parce que moi, je l'appelais Yakari comme un débile. C'est comme si t'appelais... C'est comme dans Boule et Bill. Ah non, je sais plus c'est qui le chien, je sais plus c'est qui le garçon. Bref, c'est comme si t'appelais... C'est comme si t'appelais... Attends, quel comparatif je pourrais faire Garfield. C'est comme si t'appelais... Comment il s'appelle le propriétaire de Garfield? Oh, vas-y, j'ai plus aucune ref là. Vas-y, je suis vieux, je suis un boomer. C'est pas grave. C'est pas grave, allez regardez, et là franchement, et comme par hasard on va tomber sur une jungle. Vous allez dire ouais, t'avais pré-shot, t'as cheaté. Franchement, ce serait juste beau. Ce serait juste beau. Mais bon, c'est pas une jungle dans tous les cas, c'est bien du sapin. On est entouré de glaciers par contre. Donc ça pour le coup, c'est toujours sympa à savoir. Parce que du coup on a de la glace easy peasy. Et mon cheval, il va avoir des petits soucis là. Il va avoir des petits soucis. Là je pense que ça ne marchera pas. Bon, je vais faire ça jusqu'à arriver de l'autre côté, hein, les gars. Je vous fais une ellipse, hein, vous inquiétez pas. Je vais vous épargner ce... Oh, nice. Parfait. Je vais vous épargner tout ça. Ah, merde. Oh, non, non. Non, non, respire, respire. Oh, frère. Oh, je suis désolé. En fait, j'avais trouvé une technique de fou pour aller plus vite et tout. Mais bon, vaut mieux le laisser remonter quand même. Il lui reste 3 coeurs, Petit Tonnerre. Monte, frérot. Un petit effort quand même. Attends, Petit Tonnerre, tiens. Comment je te donne à manger? J'ai pas de pommes, voilà, bah tu vas te faire foutre. Ah dommage, je suis désolé, voilà, aucun. Allez, après les vaches, c'est les chevaux maintenant. Aïe 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 aïe, je maltraite, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, mais c'est la survie, les gars, c'est la loi de la survie finalement. Les chasseurs vous le diront. Lol. Alors, la balle perdue pour les chasseurs. Non, non, moi j'ai. Bonsoir. D'ailleurs, quand je me prends en forêt, je suis pas une biche. Hein. Y a plein de ruches d'abeilles, ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir. Je pourrais récupérer la laine en passant. Bon, voilà, on en a quand même assez à la maison. Eh, on vient de là-haut. Je reconnais totalement, on vient de là-haut. Regardez, c'est chez nous. Est-ce qu'on voit peut-être mes arbres que j'ai cassés? Non? Non. Mais bref, c'est la colline qui est juste... Bah, c'est de là qu'on est descendu et tout. Et nous, on est vraiment encore derrière. Voilà. Donc, on est vraiment à côté de notre base. Donc ça, c'est juste parfait. Comme ça, on peut faire une petite boucle et on va passer par là-bas. Parce que ça m'intéresse fortement d'aller voir ce qu'on a là-bas. Alors par contre, Petit Tonnerre, un petit effort. Un petit effort. Parce que là, le soleil va se coucher. Et j'ai pas spécialement envie, si tu veux mon avis, qu'on se retrouve en plein milieu de la pénombre, comme des connards, si tu vois ce que je veux dire. Allez! Voilà. Oui? Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des poulpes lumineuses là, vous savez, pour faire des cadres, des glowing, glowing machins là, vous savez? Ben, il y en a pas. Allez, voyons voir ce que nous avons là. Explorons de nouvelles terres, vers l'infini et l'inconnu. Bonjour, je suis Buzz l'éclair. Eh, on dirait pas un peu? Enfin, en plus jeune quoi. Bonjour, je suis Richard Darbois. Ah bah voilà, bah on est dans un super biome sapin quoi. Et il y a des loups. Et il y a des loups et j'ai pas d'eau. Parce que je suis débile, j'ai pas pensé à prendre des eaux.
Mais le soleil se couche. Alors est-ce qu'on la tente ou pas? Est-ce qu'on la tente ou pas? Ce serait génial, attendez, dès qu'il y a des squelettes, bam bam. On va la tenter parce qu'on est là pour faire de l'élevage de loups aussi hein. Comme ça, vraiment notre épopée, elle est fructueuse. Bon, si on pouvait revenir avec du bambou, ce serait parfait. Mais là, en plus, on a un nouveau chien et on pourra faire de l'élevage. Mais en plus, messieurs dames, on a ça et ça. Et ça, c'est fou. Tiens, déjà. Voilà, ça c'est... J'ai peut-être pas besoin d'os. Ah si, d'accord. Bon, donc reste ici, petit tonnerre quand même. On va se rester soudés. Je vais délimiter une petite zone safe. J'entends de la lave juste en dessous de moi, c'est formidable. Voilà, on se fait une petite zone safe parce qu'après on pourra pas dormir, on aura l'air con. Voilà. Et puis maintenant les squelettes, c'est quand vous voulez. Parfait. 1, 2, 3. Et il me loot son arc, mais il me loot même pas ses flèches. Je veux dire, il me loot même pas... bonsoir, je sais plus parler. Il me loot même pas ce que je veux. Attendez, je vais réparer ma hache, comme ça, ça fera de l'économie d'énergie. Puisque l'énergie est notre avenir, économisons-la. Attendez, on va acheter ça. Voilà, comme ça, j'ai un arc aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aimerais des os, hein, en fait, tout simplement. Ça aurait été plutôt sympa. Voilà, c'est super. Alors là, j'ai plein de zombards à mes trousses. Ah, là, il y a un squelette. Salut, mon ref. Ah. Ok. J'ai deux os. Est-ce que ça suffira? B2O finalement, me direz-vous. On va essayer, je lui ai donné du steak. Regarde, regarde, regarde. 1, 2, let's go. On a notre loup, c'est bon. On va pouvoir faire notre élevage. S'il meurt pas, bien sûr, hein, ça c'est quand même important. Ça c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, maintenant on dort. Maintenant on dort, au milieu des zombies. M'en fous de toute façon parce que le chien il me protège. Ha, nulos. Allez, on se casse. Il est où mon cheval? Petit tonnerre. Allez. Hop. Oh non, non, petit tonnerre, faut pas qu'il prenne feu. Non, aïe. Oh non, mon loup. Oh non, oh non. Oh non, c'est une blague. Reviens. Tiens, du steak. Il faut absolument le maintenir en vie, lui. Hein. Faut absolument le maintenir en vie, hein, les gars. Parce que des loups comme ça, fiou. On va pas en croiser beaucoup. Allez, puis surtout, maintenant j'ai... Oh putain, il y a un creeper. Oh non. Puis alors, ces arbres, c'est la folie, hein, pour se mettre dans le sbeul. Ok. Ok, ok, en plus il y a un reste de squelette ici, j'en ai rien à faire. Je me casse, je me casse pas. Allez, 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 ah voilà, et eh bah c'est super. Bon, il faut vite qu'on sorte de ce bordel. Hein. Il faut vite qu'on sorte de ce bordel, j'espère juste vraiment que mon cheval, que mon chien me suit. Je pense que oui, hein, vous inquiétez pas. Je pense que mon chien me suit, s'il vous plaît, parce que je vais redonner de la vie hein, quand même. Hein. Faut pas se foutre de ma gueule. Hein. Bon, j'ai l'impression que... C'est bon, je l'entends. Ouais, c'est bon. J'ai cru que c'était un chien random. Je vais tenter un truc. Allez, hop, voilà, c'est bien, petit tonnerre. Oh, mais il y a plein de loups ici. C'est bon, ok, on est sauvé. On est sauvé, il y a plein de loups. Parfait. Si jamais, on pourra toujours revenir. Mais quand même, on va quand même éviter de le faire mourir, ce serait génial. Et là, oh, bah de la laine gratuite et de la bouffe. Et là, on tombe sur une jungle et je suis heureux. Hein? Oh, c'est beau. Là, si on tombe sur une jungle, je suis heureux, hein. Vous le savez, il en faut peu pour faire un homme heureux finalement. Bon, je peux pas passer par là. Mais non, mais ce cheval, il va me faire chier. Hein. Enfin, je dis cheval, mais c'est vrai que ça reste un âne quand même. À la base, non. Enfin, c'est un petit poney, quoi. Oui, non, un poney, oui. Un poney, c'est pas un âne, c'est pas pareil. Attention, c'est faux. Bon, on va revenir par là parce qu'au moins, ça va nous faire revenir vers notre base. Est-ce que là, je peux passer, s'il vous plaît? Superbe. Superbe. Je galère. Je galère totalement. Voilà. Là, on se sort un peu des ennuis. Bonsoir. Ok, c'est pas du désert. C'est juste du sable. C'est bien sympa, mais... Que du sapin partout. Là-bas. Ok. Comme dit, on va éviter de générer trop de chunks trop loin, quoi. Parce que sinon, il va falloir qu'on fasse de la route dès qu'il y aura des prochaines nouveautés. Et c'est terrible. Pas de jungle en vue. Alors, tu vas rester ici, petit tonnerre. Petit loup, tu vas le surveiller. Hein. Et puis on va aller directement fouiller l'épave. On va rester sur cette terre, ça sert à rien de traverser parce que notre base elle est là-bas et on y reviendra par là-bas. Imagine en fait, depuis le début il y avait une jungle. Mais je suis con, je peux y aller en bateau moi. Imagine depuis le début il y a une jungle à côté de chez nous. Alors franchement c'est ultra stylé. Ce serait incroyable, en tout cas si là. Non, franchement j'y ai cru hein. J'y ai cru. Je me suis dit putain, il y a une jungle juste ici quoi. Ça aurait été insane. Bon, il y a des loups vraiment un peu partout hein. Donc ça c'est parfait.
si jamais on n'arrive pas à faire l'élevage, mais en vrai, ça va aller, vous inquiétez pas. Je dis ça dans le sens au cas où il meurt, mais voilà. Là, on est quand même de manière. On est assez safe ici. Alors, par contre, il me faudra un petit coffre. Je suis pas venu ici en tant que bénévole finalement. Ah là. Alors, une bouteille d'XP. Oh, c'est mignon ça, pour les mecs qui meurent comme des cons. Par contre, le fer, ça, je veux bien. Les pépites, je vais prendre. Le lapis, je prends. Qu'est-ce que je peux jeter? C'est bon. Bon, la bouteille d'XP, mon ami, hop. Voilà, hein, comme ça. Ça, c'est fait. Il n'y a pas de deuxième coffre. Je pense. Je pense qu'il n'y a pas de deuxième coffre. Oh là! Ah oui! Oh là là! Ce serait dommage que toute la forêt prenne feu. Eh, hey, attendez, mais là-bas, il y a forcément quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et cela ne nous regarde pas. Bon, bah, les amis, c'est pas bien grave. Bah, si, il faut absolument qu'on trouve une jungle, j'insiste. J'insiste, il faut qu'on trouve une jungle. Bon, c'est malheureusement pas avec le cheval qu'on va pouvoir faire grand-chose. C'est vrai que... Alors, je vais être très honnête avec vous, on peut en parler, on peut en débattre aussi. Vous pouvez donner vos avis en commentaire. Le cheval, c'est génial, ça, c'est clair. L'invention du cheval et tout, à l'époque, c'était génial. Mais c'est vrai que depuis, avec les mises à jour Minecraft, on a eu l'effervescence, finalement, eh bien, des océans, des... Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le cheval, ça devient beaucoup plus complexe, parce que, en fait, maintenant, il faut qu'on puisse traverser plein d'eau, quoi. Et donc, ça, c'est un peu moins utile. Là, clairement, je vais vraiment mettre en sécurité mon loup, tout ce qu'on a récupéré, on va rentrer à la base, clairement, on va rentrer à la base. Elle est juste là, normalement, si je... on va voir, hein, si je dis pas de bêtises, mais normalement, elle est juste à côté. On va mettre tout ça en sécurité. Et après on ira... Oh putain des renards. Punaise pardon. Ah, et après on ira à pied avec des bateaux directement pour aller justement trouver une jungle. Parce que ça va pas être possible autrement. Voilà, alors est-ce qu'on est vraiment à côté de la base? Je me pète une barre hein, si je vais à l'opposé hein. Mais normalement je vais pas à l'opposé là. Normalement je retourne vers notre base. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je pense, je suis pas sûr, mais... Ah, mais fais un effort aussi, tu peux pas contourner. Allô? Voilà. Ah, c'est super ça. Non, et puis en plus, vous voyez, c'est complètement débile. Je veux dire, c'est inutilisable. C'est inutilisable, ça ne sert à rien. Voilà, je vous le dis, maintenant, les chevaux, ça ne sert à rien. Dans le jeu, hein. Non, non, attendez. Ne vous y méprenez pas, les Chloé. Bah oui, mais je vous embrasse, moi, les Chloé, j'adore les chevaux. Alors, par contre... Oh, c'est génial, c'est génial. On peut vraiment. C'est un biome parfait pour les chevaux, ça, finalement. Voilà. Et là, normalement. Voilà. C'est là-haut qu'on a coupé le bois de bouleau, là. Voilà. Et notre base, regardez où elle est, messieurs, dames. Messieurs, dames. J'avais donc bien raison. Ah. Voilà, c'est super. Non, mais t'es pas non plus si large, frère. Tu t'es pris pour Depardieu ou quoi? Oh, sans déconner. C'est trop. Et moi, j'adore Depardieu. Je l'embrasse aussi, hein, Depardieu, hein, d'ailleurs. J'embrasse même plutôt deux fois qu'une, hein. Ok, ça passe ici. Mais non, elle est pas là notre base. Mais si, si, elle est là notre base. Elle est là notre base. Je suis pas con. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh non, on va se perdre. J'ai les coordonnées de la base, mais là le problème c'est que ça se trouve. Allô? Allez, un petit effort encore. Un petit effort. Non, je suis jamais passé par là, ça c'est clair. Là, il faut prendre de la hauteur. Hein. Et qu'on continue surtout dans cette direction là. Ok. Ah, voilà, c'est bon, regardez. Hé hé! On voit ma maison d'ici, grâce à ce magnifique toit qui a un relief avec du bois de bouleau. C'est magnifique. Voilà, on n'a pas trouvé de jungle. Et donc là, vous voyez, je prends le bateau, je me barre là-bas et je trouve une jungle directement, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Bon, les amis, je vous fais une ellipse le temps qu'on rentre à la base, parce que là, le temps de faire le tour, il faut passer par là-bas, bref, vous m'avez compris. A tout de suite, hein. Voilà. J'ai rangé tous mes coffres avant de vous reprendre parce que ça me tenait à cœur de faire ça bien. J'ai cru qu'il y avait un zombie et donc c'est mon super cheval. Donc j'ai rangé de nouveau mon inventaire. Il y a juste le bois encore que je vais ranger. On va, alors les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Mais avant de s'en arrêter là, évidemment, parce qu'il y a des choses que vous voulez voir et que moi aussi, je veux voir. Donc on va le faire. Ah, c'est pas le même bois. Eh ben, on va considérer que c'est le même. Au pire on peut le mettre là, mais au cas où parce que là on mettra peut-être le bois de jungle, je pense. Voilà, on va garder ça sur nous. Hop, et ça ici. Ce qu'on va faire, déjà j'aimerais tester ça, le smiting template, comment ça fonctionne en fait. Tu mets ça comme ça directement? Ah, j'imagine que c'était plus complexe, je me renseignerai. Je pense qu'il faut un outil spécial de toute évidence. Mais voilà, il fallait essayer. Appliquer tout armure, ingrédients, ingots et cristal. Ah,
Mais c'est pas du cristal ça. Bon, bah c'est pas grave. Tiens, je vais mettre ça dans ce coffre, c'est parfait, je vais mettre ça juste ici. Voilà, tout ce qu'il y a ici, ça va être pour les échanges avec les villageois. Là également, là on va pouvoir faire un raid. Et franchement, on va faire un raid dans le village. Clairement, hein, vous me dites en commentaire si ça sert à ça, mais je crois que ça sert à ça dans tous les cas. On va se crafter une laisse, tiens, on va se crafter une laisse directement pour notre petit cheval. Hop. Oh, ça en fait deux, c'est parfait. Alors ça, on pouvait pas demander mieux. Voilà, on va du coup attacher finalement notre cheval, hein, directement. On va regarder si la machine à vache a fonctionné, bien sûr. Oh, viens voir mon ami. Je vais pouvoir te mettre ici, juste, c'est parfait. Regarde, hop, c'est tout mignon. Ah! Oh j'ai eu si peur. J'ai eu si peur. Attends, on va récupérer le blé en même temps, comme ça on pourra avoir avec les vaches. Hop, nickel. Oh, comment je me suis fait peur. Là, regardez, je mets les graines là-dedans, c'est parfait. Hop, on va aller voir les vaches. On va faire reproduire les loups aussi. Ah, on va commencer. Là, on va se faire. Il faudra aussi qu'on construise plusieurs niches pour les loups. On va faire comme sur Madventure saison 1, souvenez-vous. On va faire plusieurs petites niches pour les petits loups. Alors, rencontrez-vous d'abord avant de faire l'amour quand même. Regardez les loulous. Les loulous. Mais non. Ah, c'est avec du steak qu'on les fait reproduire, je suis débile. Allez-y, faites l'amour. C'est pour ça que je préfère ne pas donner de nom parce que j'ai pas envie que ça crée un scandale. Genre, cet abonné a fait l'amour avec cet abonné. À l'époque, on pouvait en rire, mais aujourd'hui, on peut plus trop rigoler de tout ça, les amis. Vous comprenez bien. Donc, voilà. Et là, à partir de là, je vais pouvoir donner des noms d'abonnés aux petits bébés qui arrivent. Voilà. On va faire ça comme ça. Mais ne paniquez pas dans les commentaires. On va pas faire tout de suite. De toute façon, j'ai pas de name tag. Enfin, j'en ai qu'un seul. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va venir par la suite. Donc, oui, on fera des petites niches. On fera un petit truc pour notre petit tonnerre. Hein, on fera un petit abri pour notre cheval. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Ça fait plaisir. Et puis maintenant, on va s'en arrêter là. En même temps d'aller voir si ça fonctionne notre truc à vache. J'ai aucun cuir et aucune bouffe sur moi, on est d'accord. Ah si, j'en ai 26 ici. Donc on retient qu'on en a 26. Alors là on va juste avoir un petit problème de mob. Mais c'est pas grave. Parce que regardez, 3-6 nos scopes directement. Tac. Voilà, c'est parfait, j'ai plus de bouclier. Bon, faudra qu'on se refasse un bouclier. Allez, voyons voir. Est-ce que nous avons quelque chose dans les coffres? Eh bien oui, ça a fonctionné. Alors, le temps qu'on parte, eux ils ont pas pu grandir. Mais on a dans les coffres pas mal de choses. Et là je vais pouvoir les reproduire. Ce qui est chouette, c'est que les vaches tombent dedans toutes seules, regardez. Alors vous êtes bien foutus en commentaire de ma façon de faire, je sais bien. Mais c'est quand même compliqué, regardez. Oh, regardez, c'est même en sniquant et en poussant, ça ne marche pas. Donc arrêtez de vous moquer. Ça ne marche pas. C'est pour ça que j'ai tant galéré. Mais bon, elles vont tomber toutes seules comme des débiles, hein. Hop, ça dégage. Bon bah voilà. Bref, donc ça fonctionne. Et ça c'est cool. Et ça c'est cool. Et on pourra même faire. Oh, je vais péter un câble, c'est bon. Vache de merde. Connerie de merde. C'est pas possible. Vas-y, ça me saoule. Bon, je... Attends, si j'ai moyen d'en remettre une deuxième, ce serait pas mal. Mais je vais faire ça en off, les gars. Ça me saoule. Vraiment ça. Voilà. Nickel. Bon, je ferai ça à la tête reposée. Oh là là, c'est pas possible. C'est insupportable. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, je disais, je vais faire ici par derrière un truc à moutons pareil. Je vais mettre des moutons tout simplement. Je vais les faire tomber et on fera pareil. Voilà. Aïe 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 aïe, quel enfer. Bref les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. On a bien rigolé. N'oubliez pas le petit like. Ça encourage. Le petit commentaire, bien sûr, j'ai hâte de vous lire. Et puis l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très important. Les gars, on se retrouve très vite pour le prochain épisode, pour les prochaines vidéos. C'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao tout le monde.